Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. Ben, j'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. Ben, t'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 cl de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre. Merci. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi. On ajoute 100 g de farine. Allez, petite princesse, vas-y. Centilitres de lait et le sucre vanillé. Ouais, elle est trop facile ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile, une pincée de sel et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où, la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur. Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas ce pavon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux. Après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Mais j'ai rien appris pour mon exposé. Vous savez quoi? Pendant que vous rangez, je vais vous parler de la farine. D'accord, on en était aux céréales, tu te souviens? Ce sont des plantes cultivées pour leur production de grains. Ces grains sont nettoyés et triés, puis humidifiés pour les écraser facilement.
Une fois sec, ils sont passés au tamis et ça donne la farine. Vous pouvez me citer un nom de céréales? Le blé? Oui, il y a aussi le seigle. Oh oui, c'est le pain qu'on mange avec les huîtres. Exactement, et le sarrasin. Ah! Ha ha! Le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir. Oh, oui, j'en ai mangé en Bretagne. C'était des galettes au jambon et au... Oh, mon monstre! C'est toi qui l'as jeté, Prune? Non, je te jure. Tu l'as retrouvé, c'est le principal, non? Oh! À moins que vous ne vouliez plus de crêpes. Des crêpes, oui, oui! Oh, le beurre! Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais! Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Prune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat? Ah! Non, le grand plat, Bob! Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va. Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster, mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire, la meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais parler de la culture de ces graines, comment on la fabrique et tout ce qu'on peut faire avec.